tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va super. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de NZ réaction, ça m'avait tellement manqué. Et aujourd'hui, on va réagir au nouveau NZ de Hive. On n'a pas eu de comeback depuis octobre, il me semble, depuis Baddy, qui a été un assez bon son, mais c'est vrai que vous voyez, la période Love Dive, After Like, c'est quand même une des meilleures, je trouve. Et j'espère que ce comeback ne va pas nous décevoir, et me décevoir en particulier. Je me suis pas fait spoiler du tout, même par le MV teaser, j'ai juste vu les concepts photos qu'elles ont fait. Mais sinon, ça va être vraiment tout nouveau. On a vraiment encore un son qui est assez court, à ce que je vois, le MV dure 3 minutes 10. On va encore avoir un son qui dure moins de 3 minutes. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on est habitué. Donc, à voir. Les couleurs ont l'air quand même de ressembler un petit peu à ce qu'on avait eu à Love Dive. Donc, c'est parti. Je vais juste me déplacer vers la gauche pour que vous ayez le MV en bas à droite avec ma réaction. Et le titre s'appelle Eya. Et du coup, on est parti pour ce nouveau MV réaction. Let's go! Sur une caméra, un peu bizarre. Ah, ça c'est beau! Je jure, je sais pas c'est qui. C'est beau, ça j'aime bien. Elle est pas brutale et tout, je trouve qu'elle est cool. Franchement, la dance break, elle est vraiment cool. Dans l'ensemble, le clip est toujours aussi beau comme tous les MV de K-pop. Mais j'ai pas ce petit truc en plus que j'ai eu. Baddy, vous voyez, j'ai eu un peu de mal. Mais en même temps, je me suis dit, ok, je vais l'aimer. Je pense que celle-là, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais elle est vraiment cool. Le début et la fin, j'ai beaucoup aimé. Le refrain, un peu moins, je sais pas. C'est encore un refrain où c'est juste le même mot qu'elle dit. On dirait un peu le refrain de Baby Monster où elle dit chiche. Bah là, elle est juste Eya, Eya, Eya. Ça lance vraiment réel intérêt. On sait que ça va être encore une chanson pour qu'elle soit un peu facile à reproduire et à traîner, hein, malheureusement. Quand tu regardes sur TikTok ou autre, les musiques qui traînent, ce sont généralement des musiques où c'est des paroles assez simples en anglais ou qui sont répétitives. Vraiment, c'est un bon comeback. À écouter les autres sons de ce qu'elles ont fait,
Mais j'ai beaucoup aimé. Pour la chorégraphie, j'ai l'impression qu'on va rester sur du Hive, un truc un peu assez simple, mais en même temps quelques parties complexes. J'ai pas trouvé vraiment une partie commémorative. Bon, le Eya où elles sont comme ça. Je sais pas si ce mouvement va être problématique parce que bon, voilà. La chorégraphie a l'air quand même cool. Les tenues sont cool aussi, vraiment. Une vie assez bien construite, même si le début m'a un peu interpellée avec Eugene, où j'ai l'impression qu'en fait, ils étaient sur du 60 images par seconde, et d'un coup, genre, ça a descendu à 24 images par seconde, j'ai pas compris. Pourtant, je me suis repassée plusieurs fois la scène, et à chaque fois, cette scène était toujours saccadée. Donc, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai pas trop aimé. Enfin, c'était mal fait. Mais sinon, oui, j'ai pas grand chose d'autre de particulier à dire pour ce comeback. C'est un comeback réussi, je pense, à voir comment elles vont vendre leur album et comment elles vont promouvoir aussi leur musique. Sur ce, j'espère que cette petite réaction vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, du comeback de Hive. J'ai hâte de voir ce que les gens en pensent en général, parce que je pense que ça peut être qui tout double. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et on se dit à une prochaine réaction vidéo et probablement aussi une cover en entière de cette musique. Je pense sérieusement la faire. D'ailleurs, au moment où je vous enregistre ces MV réactions, elles sont en train de faire leur showcase. À mon avis, la chorégraphie sera dévoilée et on pourra en voir plus en détail. Allez, sur ce, je ne vous retarde pas plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou danse. Et ciao !